Thank you.
ministère. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous avoir gardé et donné encore l'occasion de venir dans ces lieux. On doit faire vite, le temps est passé. Le temps est à la fin. Je regarde quelque chose dans le téléphone. C'était un message de frère Franck que le frère Mujinga m'a envoyé. Je lis cela. C'était très profond. Venez un peu m'aider. Je ne suis pas calé dans ces choses. J'avais lu ça. C'est frère Mujinga qui m'avait envoyé. Il est là. Peut-être c'est dans l'autre. Que Dieu bénisse. Amen. C'est une prédication de frère Franck depuis Zurich. Là, il parle de quelque chose qui m'a vraiment tressailli le cœur. Il dit, les dernières consignes sont données. Vous savez les consignes qu'on donne? Quand quelqu'un est déjà dans l'avion, avant que l'avion ne décolle, il y a les consignes qu'on donne. Quand vous écoutez l'avion allumé, ne vous levez pas. Ne vous promenez pas. Je l'ai trouvé. Oh. Que Dieu bénisse. Ne vous promenez pas. Soyez sur votre siège et attachez vos ceintures. Parce que d'ici là, c'est le décollage. Ce sont les dernières consignes avant que l'avion s'envole. Par rapport à la parole, nous sommes dans les dernières consignes avant que l'enlèvement se fasse. Donc nous devons être aux aguets. Mettez de côté toutes choses qui peuvent vous empêcher à être agréable devant Dieu. Parce que Enoch, avant d'être enlevé, Dieu l'a déclaré agréable. Et pour que nous aussi, nous puissions être agréables à Dieu, nous devons suivre les consignes. Viens un peu. C'est pour qui ça? Lisons un peu une parole et nous avons des actions de grâce. Personnellement, je remercie le Seigneur. J'étais parti à Fungurume le matin pour aller voir le frère qui était malade. On l'a trouvé malade. Mais Dieu l'a fortifié. Il est convalescent. Et je suis rentré sain et sauf. Il m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Guilain remercie le Seigneur de les avoir gardés au deuil de leur maman à Colouzi. Le frère Faustin remercie le Seigneur Dieu de l'avoir guéri. Lisons dans Psaume 40. Nous sommes en Zaburi, ma commune. Si on peut déjà dire aux frères de venir, les frères Rubous. Qu'on me remette les messages là. Si vous l'avez trouvé, remettez, donnez-le moi. Venez. Vous l'avez?
Psaume 40. Zaburi makumine. Verset 17. Musaro wakumina saba. Je vous lis d'abord le message. Kwanza tusome ujumbe. Et le mardi, Dieu m'a dit de transmettre à tous les quatre services de guérison des frères Branham. Mukazimbili, Mungu aliniambia nitangaze kupitia ile makazi yote ine ya matunzo ya ndugu Branham. Les services que frère Branham faisait. Ile makazi ndugu Branham alikuwa anafanyaka. Et on n'a pas continué. Na akuendelesha. Maintenant, c'était la prédication des Irites ce dimanche 24 septembre 2023 par frère Franck. Il dit ceci: qui peut encore tenir un tel langage sur cette terre comme le langage qu'avait le prophète? Qui peut encore le tenir sur la terre aujourd'hui? Bien aimé, les dernières consignes commencent à venir. Mashurti ya mwisho inaanza kufika. Nous sommes déjà au dernier virage. Hapa tuko kulukumba ya mwisho. Ne soyons pas distraits. Kumbe tusilengame. Ce qui y a à réparer, faisons-le. Kumbe ya kutengeneza, tubifanye. S'il y a à nous repentir, faisons-le. Kama pe kwa kutubu. Mettons nos vies en ordre. Tengeneze maisha yetu. Tout dans les couples. Car le décollage est très bientôt. Safari ni sasa hivi. Nous entrons déjà dans la phase des consignes. Consignes à la dernière phase. Que Dieu bénisse tous les élus dans le monde entier. C'est très profond. Je lis maintenant. Ça, ça te somme. Psaume 40. Zaburi makumi ine. Verset 17. Musaro wakumi na saba. Que tous ceux qui te cherchent, bale kumbe bale bote bekuba na kutafuta, soit dans l'allégresse, bawe katika shangwe, et se réjouissent en toi, na bafurahiwe ndani yako, que ceux qui aiment ton salut, na benye kupenda wokovu yako, disent sans cesse, baseme bila kuacha, exalté soit le nom de l'Éternel. Apanuke jina ya milele. Exalté soit le nom de l'Éternel. Ceux qui diront ça, c'est ceux qui aiment les salut de Dieu. Le temps est tellement avancé. Mon frère et ma soeur, ne soyez pas distraits par n'importe quelle activité sur la terre. Ne soyez pas distraits. Devant Dieu, on n'aura pas des excuses. Mbele ya Mungu akutakuwa namna ya kuomba radhi. Ce qui compte devant Dieu, c'est sa parole. Ya mafamba mbele yake ni neno yake tu. Et la parole est venue pour tout le monde. Na neno ilikuia batu bote. Mettons nos vies en ordre. Kumbe tutengenezeni maisha yetu. Et ici le frère dit, hapa ndugu anasema, surtout vous les mariés. Asa zaidi mwembe yenye kwa mu maisha ya ndoa. Si l'esprit pousse quelqu'un à dire ça, kama roho anasukuma mtu aseme vile, c'est parce que beaucoup de foyers ne sont pas en ordre. Ni juma ndoa ya mingi haina musawa. L'hypocrisie y est. Unafiki humo. L'amour n'existe pas. Mapendo hamna tena. Les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. On doit tirer attention. Le temps est tellement proche. Ceux qui sont sauvés, qui aiment ton salut, disent sans cesse, exalté soit le nom de l'Éternel. Nous allons tous prier avant d'écouter la parole. Akika Yesu mwambango vo nitaficha makwake Yesu kwa saya tabu na mate mimi nitaficha makwake Yesu. Hey Yesu, hey Yesu peke ni mwambango kweli nificha yeye ku. Hey Yesu, hey Yesu ye, ni mwamba nguvu kwa siku ya hukumu kubwa.
Usiku na mchana mimi nitaficha kwake Yesu. Sitaki kutembea mbali. Kweli nitaficha kwake Yesu. Kweli kweli Yesu, Yesu peke ni mwamba nguvu kweli. Mungu katika jina la Bwana Yesu Kristu tunakupikia asante magharibi. Mungu wetu na baba wetu tunakusanika juu yako we Mungu. Ulisema fasi takusanika wawili au watatu juu yako utakuwa hapo. Tunakusanika juu ya wokovu ya manafsi yetu. Utusaidie kunjia Roho Mtakatifu wakati tunasoma na kutangaza neno lako. Na utusaidie shebo wote wakati kunasikia. Kwa sababu ulisema ni kwa mwenye kuna masikio njua atasikia. Ututumie Roho yako Mtakatifu izungumuze na manafsi yetu. Huyu ndio mwalimu mkubwa uliacha mkanisa juu ya kutufundisha. Tunayua sema njia yetu ni ya kukunjama. Manjia yetu ni ya buchafu, ni ya mubaya. Manjia we Mungu juu ya kusafi takatifu ya kunyoloka. Ujufunule kwetu, tutembele mwile manjia. Kila mtu apate kuonja okovu ya byakweli. Sifa irudi kwako Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba. Amen. Tunasalimia kanisa hii mujina la Yesu Kristo. Amen. Dans cette église, au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Jean chapitre 5. Yohana Surayatano. Nous t'assons maintenant à Jude. Oui, nous lirons dans Jude. Jean 5, 24. Yohana Surayatano, Moussara Makumimbil Naini. En vérité, je vous l'ai dit. Kweli kweli na miambia. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bwana Mungu abariki ma sauti. Amen. Et Dieu bénit ses paroles. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tunasoma tena kitabu ya Jude. Nous allons lire encore dans les livres de Jude. Chapitre 1. Ya kwanza. Le verset 1 jusque Musali ya kwanza paka de verset 3 jusqu'à 4. Musali ya 3 paka ya 4. Bien-aimé, bapendwa, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Vile nilitamani sana kumiandikia kule langaria wokovu yetu ya pamoja. Je me suis senti obligé de le faire. Nilijishurutisha kuifanya. Afin de vous aider à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître Seigneur Jésus-Christ. Bwana Mungu apate kubariki masauti. Amen. Que Dieu bénisse encore ses paroles. Amen. Tunaendelea na kuhubiri yulu ya onjo ya wokovu. Nous continuons à prêcher sur l'expérience du salut. Wokovu ni ya byakweli. Le salut est une réalité. Na wokovu ni ya bure Mungu alileta. Et le salut est gratuit donné par Dieu. Na kama mtu anaamini huyu Bwana Yesu Kristo kuwa mwokozi na Bwana wake. Lorsqu'un homme croit au Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Huyu mtu anastahili kupata wokovu ya kutoka kwa Mungu. Cet homme est digne de recevoir le salut venant de Dieu. Na Biblia nasema wokovu ni zawadi ya bure. Et la Bible dit que le salut c'est un don gratuit. Mungu yeye mwenyewe savile ni zawadi ya bure anatupatia ya bure. Comme Dieu lui-même est un don gratuit, il nous a accordé le salut gratuitement. Amen. Na wokovu inakuwa ya mafaa juu ya kupotea kwa mtu. Et le salut est devenu important concernant la perdition de l'homme.
Si l'homme n'était pas perdu, alors le salut ne serait pas important devant lui. Et le salut est devenu important, nous tous qui sommes ici. Car nous tous, nous étions morts dans nos péchés, nous étions perdus. Mungu anangaria. Dieu a regardé. Anasema mtu ene kujokola yeye mwenyewe. Il a dit l'homme ne peut se sauver lui-même. Kama kuguki mtu mtu ene kufanya. S'il y a une chose que l'homme ne peut faire, ni kujitunza yeye mwenyewe. C'est se guérir soi-même. Na mtu kujokola yeye mwenyewe. Et se sauver soi-même. Hivi vitu hakuna mtu hata moya anaweza kuifanya. Ces deux choses personne ne peut le faire. Ndianza kusoma ile kitu mkaratasi hapa. J'ai lisé cette chose là dans cette brochure. Mumahubiri. Dans la prédication. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ ni sawa sawa jana leo na milele. Page 13. Sur page 13. Tunasoma hivi. Nous lisons ceci. La guérison ou les salis uponyaji wala wokovu ne peuvent pas provenir d'un homme. Haiwezi kutokea kwa mtu. Eh bien, il y a des dons dans l'église. Kuna kalaka mazawadi mkanisa. Tel que les dons de prophétie. Sawa zawadi ya kutabiri. Dons de guérison. Sawa zawadi ya kuponya, ya kuponya na ingine. Cela ne veut pas dire que la puissance de guérir. Il est ayoneshe uwezo ya kuponya. C'est seulement un don de guérison. Ni zawadi tu ya kuponya. Cela veut dire la connaissance de la parole sur la guérison. Ile inaleta tu fahamu ya neno ya Mungu kuili langaria uponyaji. C'est ce que la prédication nous révèle. Dieu qui les maubiri kuna tufunulia. Quand les dons de guérison opèrent. Wakati zawadi ya uponyaji ikuna tenda. Ikuna tumika. Cela ne montre pas que c'est la puissance de la guérison. Il a yonesh ya kusema njo uwezo ya uponyaji. C'est seulement un don de Dieu. Ni zawadi tu ya Mungu. Pour que ces dons-là guérissent, Dieu a ile zawadi ipate kuponya. Il faut que Dieu lui-même descende pour utiliser ces dons-là. Inabidi Mungu ye peke yake ashuke njo akutumikisha ile zawadi. Amen. Amen. Kila zawadi yote kama unatumika, chaque don qui exerce, haifunule mtu hapana. Cela ne révèle pas un homme. Juu zawadi haina ya mtu. Car le don n'appartient à aucune personne. Zawadi ni ya Mungu. Le don appartient à Dieu seul. Biblia nasema pale Yesu alifufuka kutoka mkaburi anapanda juu. La Bible dit lorsque Jésus était ressuscité et qu'il est monté au ciel. Kufika kumbinguni alitumia watu mazawadi. Arrivé au ciel, il a fait des dons aux hommes. Donc mazawadi le mukanisa aina yetu shewe ni ya Yesu Kristo. Donc les dons qui sont dans l'église ne nous appartiennent pas, cela appartient à Jésus-Christ. Kama Mungu anataka kutumika. Si Dieu veut travailler, muyake kanisa, s'il veut œuvrer dans son église, anashuka kunja Roho Mtakatifu anabebe le zawadi anaanza kutumika. Il descend par le Saint-Esprit et il saisit ce don, il commence à œuvrer au travers cela. Na wakati Mungu anaanza kutumika kupitia zawadi yake. Et lorsque Dieu commence à œuvrer par son don, mwile wakati Mungu yeye anaanza kujifunula mu kanisa yake. En ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui se révèle dans son église. Donc matunzo na okovu. Donc la guérison et le salut. Abiwezi kutokelea kwa mtu hata moya. Ne peuvent pas provenir dans une personne, dans un être humain. Même une église ne peut sauver. Même le tabernacle ne sauve personne. Amen. Dans ce message du temps de la fin, Ndugu Frank anasema huku bantu mingi sana beko na danganyika. Le frère Frank dit qu'il y a beaucoup des hommes qui sont séduits. Beko naenda kuelezea bengine ya kama. Ils se trompent et ils disent aux autres que kama unaamini ujumbe ya wakati ya mwisho. Si vous croyez au message du temps de la fin, mwile wakati unaokolewa. En ce moment-là, vous êtes sauvé. Hapana. Non. Ile ni kuingisha bantu munje ya kupote. Ça c'est mettre les gens dans la voie de la perdition. Okovu ni Mungu mwenyewe anaileta. Le salut est donné par Dieu lui-même. Amen. Prédication donnée à Bruxelles. Maubiri le barubiri ku Bruxelles. Nous lisons page 9. Nous lisons grâce à Tissa. Aujourd'hui, certains disent, si vous croyez le message, vos péchés sont pardonnés. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit.
C'est ce que les autres disent. C'est ce que les autres enseignent. Si tu crois seulement le message dans de la fin, tu es sauvé. Comme si vous voulez dire que c'est dans notre église où il y a les salis. Si vous ne croyez pas dans notre église, vous ne serez pas sauvé. C'est là est contraire à la Bible. Dieu a placé la vie éternelle uniquement en son fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais il y en a qui disent que si vous croyez le message, vos péchés sont pardonnés. Vous devenez un enfant de Dieu. Et vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Cela c'est faux. Écoutez la réponse. Non, non et non. C'est quelque peu différent de cela. Le salut de notre âme a eu lieu à la croix au calvaire. Si vous désirez être sauvé, vous devez croire en Jésus-Christ. On pas Jésus-Christ. En tant que votre sauveur personnel, qui est mort pour vous sur la croix du calvaire. Vous devez croire que Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. C'est une chose, c'est une chose d'être sauvé. Et ça n'est une autre que d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Donc, si à toi, je crois, une ville à part. Nicousema, on ne peut pas croire comme ça. Au Kovu, Ailandani Akadis. Le salut n'est pas dans une église quelconque. La divinité de Jésus-Christ. Au Mungu, il y a Jésus-Christ, Maubib. C'est la page 4 ici. Au Kouraz Haïni. Paragraphe 18. Aya Kumina Mnani. Je n'aime pas aller dans l'église de quelqu'un d'autre. Ou parmi les gens comme cela et dire des choses contraires à l'enseignement qu'ils ont reçu. Wala kwenda katikati ya bale bantu beko nasema bintu bile binapinganisha na mafundisho ile walipoke. Car après tout, j'ai essayé de clarifier mes déclarations. Kwa maana nilipenda kuweka waziwazi bile nilisema. En disant que si un homme est catholique, mukusema kama mtu ni katolo, et qu'il compte sur l'Église catholique pour son salut, na ekona jesabia yulu ya kanisa katolo juu ya wokovu yake, il est perdu. Pale anapotea. C'est ce que moi j'enseigne. Jo kile mini kunafundisha. Moi Branham. Miye Branham. J'essaye un peu de clarifier ce que j'ai dit. Nikusema ningu napenda kuweka wazi musikie mzuri bile nilisema. S'il est baptiste, kama yeye ni baptiste, et il compte sur l'église baptiste pour son salut, na anaweka tumaini yake ndani ya kanisa baptiste njoo ya wokovu yake, il est aussi perdu. Bale anapotea tena. Et bien les pentecôtistes qui comptent sur l'église pentecôtiste pour leur salut, bale ba pentecôtiste bale beko na sabia yule ya kanisa yabo njoo ya wokovu yabo, ils sont aussi perdus. Ba anapotea nabo. Amen. Mais maintenant, sasa ceux qui sont dans les tabernacles, sasa bale beko maskani, qui met leur foi dans le tabernacle pour être sauvés. À ce moment-là, ils sont sauvés. Et Dieu du ciel n'est pas le Dieu du tabernacle. Mungu wa kumbingu, ana Mungu wa tabernacle. Il est le Dieu de sa parole. Yeni Mungu wa sa... N'importe quelle église. Na kanisa yote yote. Mais si une personne s'appuie sérieusement sur la foi dans l'œuvre du calvaire achevé, kwa lakini kama mtu anaweka matumaini yake yote mukazi ya pamsalaba ile irisha, il est sauvé. Pale anaokolewa. Peu importe l'église à laquelle il appartient. Ingawa akuye mukanisa kani. Amen.
peu importe à l'église, dans l'église où il appartient. S'il ne met pas sa foi dans cette église pour son salut, mais il a place dans l'œuvre accomplie et achevée du calvaire, cette personne-là, même à l'heure où je parle, s'il n'est pas parmi nous, là où il est sauvé. Amen. Amen. Car la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes offert au moyen de la foi. Amen. Amen. Ça, au Kovu, il est à bout de turipata kumacho ya Mungu. Mais les saluts gratuits que nous avons reçus de Dieu, tu pas choku yonja. Nous devons l'expérimenter. Ayikubakia pakule kumusalaba pa. Cela n'était pas resté à la croix là-bas. Il est refanikana kumusalaba ni kazi ya okovu Mungu yeye mwenyewe aliyafanya. C'était passé à la croix, c'était l'œuvre du salut que Dieu avait accompli. Jumbele ya kupatia mtu okovu. Car avant qu'il ne puisse donner le salut à l'homme, il est pas chambele kukombola mtu. Il a fallu d'abord racheter l'homme. Il n'est pas choukouli pas ndeni ya Zambi. Il a fallu payer la caution du péché. Ndeni ya Zambi wa lilipa ni bwana wetu Yesu Kristo. Et le prix du péché fut payé par notre Seigneur Jésus-Christ. Wakati ye alikuwa kule kumsalaba. Parce que lui, lorsqu'il était à la croix, akukukuya ta muntu moya ula alienda kumsaidia. Il n'y avait personne qui était parti pour l'aider. La réconciliation par la communion avec Dieu. Kupatanishwa kupitia ushirika na Mungu. Là aussi, le Saint-Esprit dit ceci. Mwile maubiri, Rome, takatifu, kunasema hivi. Il dit, kunasema, page 17, kukurasa 17, le paragraphe 43, aya 43. Vous pouvez être membre de n'importe quelle organisation. Unaweza kuwa mwanamemba ya kanisa yote yote. De n'importe quelle église que vous voulez. Ya kanisa ile unapenda. Si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau de l'Esprit de Dieu, kama tuko mtoto wa Mungu mwenye kuzaliwa na roho ya Mungu, ayant accepté le sang de Jésus-Christ, ulitika damu ya Kristo, et étant réconcilié avec Dieu au travers du sang versé, na ule alijipatanishwa na Mungu kupitia damu ile ilimwangika, alors vous pouvez être membre de n'importe quelle église que vous voulez. Pale unaweza kuwa mwanamemba ya kanisa yote ile unataka. Être un chrétien, na unakuwa mkristo, c'est juste, ni bya kweli, mais être juste membre d'une église, kwa lakini kwa tu mwana memba ya kanisa fulani, sans avoir cela, bila kwa na hii, là vous êtes perdu. Pale unapotea. Amen. Et vous ne reconnaîtrez jamais cela. Na au satambua kaka ile, vous continuez seulement à dire je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Utendea paka kusema niko mtoto wa Mungu, niko mtoto wa Mungu. Or vous avez placé votre foi sur une mauvaise base. Japo unaweka tu imani yako pa msingi ya bongo. Amen. Il est au kovu, Yesu Kristo alinunua kumsalaba, tunapasha kuyonja. Le salut que Jésus a racheté à la croix, nous devons l'expérimenter. Ndio kwa maana tunasoma mu Jean chapitre 5. Voilà pourquoi nous venons de lire dans Yohana sura ya 5. Sauti ya Mungu inasema hivi. La parole de Dieu dit ceci. Kweli kweli, mimi namwambia. En vérité, je vous l'ai dit. Ula nashikia ma sauti yangu. Celui qui écoute mes paroles. Na anamini mule alinituma, et qui croit en celui qui m'a envoyé, et qu'on a bougé à la vie éternelle, à cette pita kukumu, et ne vient point au jugement, je crois que car il a la vie éternelle, et qu'on a bougé ma mille de Dieu. Pourquoi il a la vie éternelle? Dieu anesha kutoka kulufu anakuwa kubujima, parce qu'il est passé de la mort à la vie. Amen. Imiandiko ni miandiko ya mzuri sana. Ces écritures sont très bonnes. Celui qui entend mes paroles, nikintu ya kwanza, c'est la première des choses à faire. Na anamini ula nituma, et qui croit en celui qui m'a envoyé, nikintu ya pili, c'est la seconde chose à faire. Amen. Kushikia sauti ya Yesu Kristo. Écoutez la parole de Jésus. Jule unasema hapa ni bwana wetu Yesu Kristo. Quand celui qui parle ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit c'est lui qui écoute mes paroles. Qui croit en celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. Comment on a somme à Jean chapitre 17. Si nous lisons dans Yohana sura 17. Jésus Christ anasema. Jésus dit. Baba. Père.
Ujima ya milele, la vie éternelle, inashimamia Jean 17, Yohana sura 17. Nous lisons ce Or la vie éternelle. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Amen. 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 Qui a envoyé Jésus-Christ? Nani arimutuma Yesu Christo? C'est le Père. Ni Baba. Amen. Le Dieu Esprit éternel. Munguru wa milele. C'est lui qui a envoyé son fils Jésus-Christ. Yenjwa mutuma mwana wake Yesu Christo. Jean 14. Yohana sura 14. Le verset premier. Musao ya kwanza. Biblia inasema. La Bible dit. Que votre cœur ne se trouble point. Moyo wenu usifadhaike. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mwamini Mungu na. Amen. Mungu est kwako. Dieu existe. Jésus-Christ na yeye kwako. Jésus-Christ aussi est là, il existe. Amen. Amen. Dio komana shikie vile mutume Paul kuna homme. Écoutez comment est-ce que l'apôtre Paul prie. Éphésiens chapitre 1. Ou Éphésiens sura ya kwanza. Verset 3. Usari ya tatu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Abarikiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Yule alitubariki na maina yote ya mabaraka ya kiroho mu mafashi ya juu ndani ya Kristo. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Abarikiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. C'est quoi dans les évangiles? Jésus-Christ dit que le Père est plus grand que moi. Yakusema baba ni mkubwa kunishindia. Jésus avait son Père. Yesu alikuwa na baba yake. Qui était plus grand que lui. Yule alikuwa mkubwa kumshindia. Puisque Jésus était homme. Juu Yesu alikuwa mtu binadamu. Mais Dieu lui, il est esprit. Lakini Mungu yeye ni roho. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4. Ndio kile Yesu alisema mu Yohana sura ya 4. Il a dit que Dieu est esprit. Yakusema Mungu ni roho. Personne ne l'a jamais vu. Hakuna ola shaka munaka. Dieu est esprit. Mungu ni roho. C'est pour Dieu kwa maana. Il faut aussi ce qu'il adore. Inabidi bale bako na muabudu. Il adore l'esprit en vérité. Ba muabudu mu roho na mu kweli. Mais Jésus-Christ. Lakini Yesu Kristo était un homme. Alikuwa mtu binadamu. Amen. Amen. C'est ce que nous lisons dans 1 Timothée. Je qui le tukuna soma mu Timothée au kwanza. Chapitre 2 verset 3. Mustari ya pili sura ya 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur. Ile ni mzuri vema na kupendeza mbele ya Mungu mwokozi wetu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Yule anataka bantu bote baokolewe. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Na bafike mufamu ya ukweli. Car il y a un seul Dieu. Njoku kotu Mungu moja. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Na mupatanishi moya katikati ya Mungu na bantu. Jésus-Christ homme. Yesu Kristo mutu. Amen. Amen. Ça c'est Yesu qu'on a sema. Maintenant Jésus dit, Ula nashikia ma sauti yangu. Celui qui entend mes paroles, na kuamini ula linituma. Et qui croit en celui qui m'a envoyé, et qu'on a bujima amilele. À la vie éternelle. Amen. Donc bujima amilele. Donc la vie éternelle. Njo okofu itu kuna ubiri pa. C'est le salut dont nous prêchons ici. Mutu kuna ipata je. Comment est-ce que l'homme reçoit cela? Bible na sema. La Bible dit. Mutu kuna ipata ta kupitia onjo ya imani. L'homme reçoit cela par l'expérience de la foi. Na ile onjo ya imani. Et cette expérience de la foi. Bana ita seme kuzalika mara ya pili. Est appelée la nouvelle naissance. Amen. Unapashu kuya neno la Mungu inaubiriwa. Il doit y avoir d'abord la parole de Dieu qui est prêchée. Unapashu kuya kuamini neno la Mungu ile mtu anashikia. Et il doit y avoir le fait de croire la parole de Dieu que l'homme écoute.
Na ile neno la Mungu unashikia. Et la parole de Dieu que tu as écouté. Haikupatie tu wokovu bure hapana. Cela ne te donne pas seulement le salut. Mbele ya kupatia wokovu. Avant de te sauver. Ile sauti ya Mungu unashikia. Cette parole de Dieu que tu écoutes. Iko na kupatia imani ya Mungu. Te donne aussi la foi envers Dieu. Amen. Joko man. Voilà pourquoi. Bale bote bana muamini Mungu kupitia Yesu Kristo. Tous ceux qui croient en Dieu par Jésus-Christ. Ils ont la véritable foi. Ils ont crié Dieu selon la bonne manière. Entre Dieu et l'homme, il n'y a pas Branham comme médiateur. Entre Dieu et les hommes, il n'y a pas un prédicateur comme Rubus qui prêche. Même le frère Frank n'y est pas. Il n'y a aucun pasteur. Là au milieu. Vous devez savoir que concernant les saluts, entre toi et Dieu, il n'y a qu'un seul homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Car ce seul homme-là, Jésus-Christ, s'il n'est pas entre Dieu et toi, tu ne seras pas sauvé. Amen. C'est pourquoi. Pour recevoir le salut, le salut est attaché à un seul nom. Si vous ne croyez pas en ce nom-là, disant que c'est ça le nom de Dieu, vous n'aurez jamais le salut. Vous serez perdu. Parce que les Écritures disent, ici sur la terre, il n'y a de salut en aucun autre nom. Si Dieu a dit cela, c'est pour montrer qu'il y a un seul nom du salut. Dieu sait que sur la terre, il y a plusieurs noms. Il y a des noms de gloire et d'honneur. Dans la politique, il y a des noms qui ont dirigé le monde. Dans la science, il y a des noms qui ont primé. Même dans ce message, il y a des noms qui ont primé. Amen. Il y a quoi dans le nom de Branham? Le premier, c'est d'abord le nom de Branham. Dans le message temps de la fin. Est-ce que vous allez oublier le nom de Branham? Quelle que soit ma tendance, que nous avons, les autres commencent même à mettre une photo dans leur cou. Amen. Mais la Bible dit, il n'y a pas un autre nom sur la terre qui peut donner le salut et la rémission de péché. C'est seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu dit ceci. 1 Jean. Yohana Wakwanza. Chapitre 4. Musari Yaini. Sura Yaini. Verset 1 à 2. Musari Yakwanza Pakayapi. Bien-aimé. Bapendwa. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mushi weke imani muro yote yote. C'est-à-dire, ne croyez pas n'importe quelle prédication. Nikusema mushi aminie kumahubiri yote yote. C'est ce que veut dire cette écriture. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez d'abord les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Maintenant, reconnaissez ceci l'esprit. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris l'avenir. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Na yule hapa sasa eko ndani ya dunia. Amen. Amen. Kama waamini yaseme Yesu Kristo huyu ndio Mungu abia kweli na bushima ya milele. Si vous ne croyez pas que c'est Jésus, c'est le vrai Dieu et la vie éternelle. Kama waamini yaseme Yenjo Emmanuel. Si vous ne croyez pas que c'est lui l'Emmanuel. Yenjo Mungu arilaka kuya mwili ya mtu kuokola. C'est lui le Dieu qui avait promis de venir dans une chair humaine afin de sauver. Okovu yako haina ya mubiblia. En ce moment-là, votre salut n'est pas biblique. Wewe ni njira kani na kuokola. C'est quel nom alors qui vous a sauvé? Ju Mungu arileta njina moya okovu. Car Dieu a donné un seul nom
nom du salut. Ni jina ya Bwana wetu Yesu Kristo. C'est le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Na Biblia nasema hakuna tena wokovu mwingine ingine. Et la Bible dit il n'y a de salut dans aucun autre nom. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps où nous devons nous éprouver. Examinons-nous de savoir si nous sommes sauvés ou pas. Êtes-vous dans la foi ou pas? Pourquoi vous devez vous examiner et éprouver chaque chose? Parce que dans ces derniers temps où nous sommes, la prophétie a prophétisé disant, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux enseignants dans ce temps de la fin. C'est ce que la Bible dit. Éprouvez tout esprit. Mutunguze kilaro. N'ajoutez pas votre foi à tout esprit. Mushanze kuamini kuro yote yote. Amen. Nabi anasema. Le prophète dit ceci. Maubiri, Dieu confirma sa parole. Dans la prédication, Mungu mwenye kwa kikisha, neno lake. Si la page 14. Ukurasa ya kumi na nne. Paragraphe 60. Aya sitini. Vous savez, mnajua, il y a un texte dans la Bible. Kuko texte mwa Biblia. Qui dit, barua mwa kuna sema. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Ni Mutesalonika wa kwanza sura ya 5 mustari ya 21. Cette écriture dit, il andiko nasema hivi. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Muchunguze kila kintu na mushikile inakuwa vema. Lorsque quelque chose est éprouvé, wakati kintu bana kichunguza, l'épreuve dira si cela est bon ou mauvais. Ile kipimo itasema kama ile kintu iko mzuri wala hapana. Et si quelque chose est mis en question, na kama ku kintu kimoya bana kishakia, amen. Cela doit être éprouvé kile bana pashi kukipima, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est juste. Paka pale mutapata kile kinakuwa kenye haki. Amen. Amen. Non, tout pas moi, Kanisa. Sommes-nous ensemble, l'église? Dada mounashkia. Mes sœurs, vous entendez? Amen. Kama kintu moi na leta bubishi. S'il y a une chose qui amène le doute. Kama kintu moi qui leta kukokotana kukotana. S'il y a une chose qui amène les disputes. Kile kintu inapasha kukipima. Cette chose-là doit être examinée. Kani kweri kama ni bongo. Si cela est vrai ou faux. Na ni paka sauti ya Mungu nje itaonesha seme hii ni kweri au hii ni bongo. C'est uniquement la parole de Dieu qui démontrera si cela est vrai ou faux. Et lorsque vous avez trouvé ce qui est juste. Na wakati utapata kile kinakuwa kenye haki kiasi. La Bible dit. Biblia nasema. Retenez-le. Mukishike. En d'autres termes. Munamna ngine. Accrochez-vous-y. Mubambiririe po. Ne les laissez pas échapper dans vos mains. Mushikiache kiende kimuponyoke mu mikono yenu. Retenez-les. Mukibambiririe. Ou encore, munamnenga kusema. Tenez-les bien serré. Mukibambe na nguvu sana. Afin que cela ne glisse pas entre vos mains. Njukishimitele muke mu mikono yenu. Retenez ce qui est bon. Mushike ile na kuwa mzuri. C'est ce que la Bible dit. Ndio kile Biblia inasema. Ne retenez pas ce qui est mauvais. Mushishike ile na kuwa mbaya. Ne retenez pas ce qui est faux. Mushishike ile na kuwa ya bongo. La Bible ne dit pas cela. Bible a iseme vile. Après que vous ayez éprouvé, kisha mwe kupima, vous l'éprouvez que cela était bon, munaichunguza munajua kusema ni ya mzuri, vous le retenez. Munaishika. Mais quand l'épreuve a montré que c'était mauvais, kama kipimo inasema kile kintu ni kibaya, alors rejetez-la aussi vite que possible. Pale muitupe kwa haraka sana. Et éloignez-vous de cela. Na mwende mbali na ile. Ne restez surtout pas attaché à ce qui est mauvais. Mushiunganishwe kumbembeni ya kile kinakuwa kibaya. Amen. Amen. Kipimo ya byote yote ni neno la Mungu. L'épreuve de toutes choses c'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans ce monde. Une chose peut arriver et engage une discussion entre nous. Vous pourriez trouver des chrétiens qui se disputent pour une chose de néant. Lorsque vous continuez à discuter, où est la parole de Dieu? Amen. Lorsqu'une chose apporte les disputes, cela mérite d'être éprouvé par la parole. Sauti ya Mungu ndio tuonesha seme
C'est la parole de Dieu qui montrera que cette chose est vraie ou fausse. Lorsque la parole de Dieu montre que cette chose est fausse, laissez-la. Si cela montre que c'est une chose vraie, retenez-les plus fort que cela ne vous glisse pas entre les mains. Il continue dit. Anendele anasema. Il peut arriver que des chrétiens très fermes, de très braves gens, kunaweza kufika ba Kristo ba nguvu sana bantu banastahili. Satacha ce qui est faux. Banashikamana ku bintu vile binakuwa bya bongo. Pensant que cela est juste. Beko na wazia sema njoo bio bya kweli. Mais toutes ces choses doivent être éprouvées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à nous tous. Puisque nous nous attendons d'aller au ciel. Lorsque Jésus-Christ reviendra, c'est ce que nous attendons. Et c'est le devoir de pasteur. Lorsque une telle question est posée, wakati banauliza swali hivi, qu'il résolve ses problèmes, bapate kuleta jibu kule mambo, qu'il réponde preuve à l'appui, baanze kujibu na mapreuve yote, afin que les gens comprennent, ndio bantu bapate kuelewa, et que personne ne soit trouvé dans l'erreur. Na kushikwata mtu moyo ule atajikuta ndani ya nkosa. C'est attaché à ce qui est faux. Mwenye kushikamana kubi. C'est notre devoir, nous les pasteurs. Amen. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de discussion. On doit toujours recourir à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ou pas. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous avez déjà reçu les saluts ou pas. L'élevé du soleil. Nous lisons encore la prédication sur l'élevé du soleil. Maubiri, c'est l'élevé du soleil. Sur la page 5. Paragraphe 27. Eh bien, cette semaine est la plus glorieuse de toutes dans l'histoire. La plus grande célébration de tous les temps. C'est à Pâques qu'il prouva ce qu'il avait dit. Quoi que l'on puisse dire, on ne peut croire fermement cela tel que lorsque cela a été prouvé comme étant la vérité. Tout ce que l'homme peut dire, tu n'as pas choisi à mini. Nous devons le croire. Si seulement si nous l'avons éprouvé et trouvé que cela est vrai. Et comme ce que Dieu a dit. Éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il ne vous dira pas de faire quelque chose qu'il ne pourrait pas faire lui-même. Ainsi, il montrera qui il était. C'est lui qui mourait pour nos péchés. Donc, tu n'as pas choisi de vivre yote. C'est-à-dire que nous devons examiner toutes choses. Dans Zaïd, mouyu wakati ya l'Odyssée. Et surtout dans cet âge de l'Odyssée. Mouyu wakati ya mwisho. Dans ce temps de la fin. Dieu y a nini. Pourquoi? Mandiko inasema. Les Écritures disent. Maubiri na kwa ya mingi sana. Il y a maintenant beaucoup de prédications. Donc, n'ajoutez pas foi, votre foi, à tout esprit qui parle. Donc, mushongeze imani yenu wala mushiaminie kurio yote yote kunasema. Puisque plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Juba na biba mingi babongo basha kuya mudunia umu. Muyuwe roya, muvumbule roya bya kweri kui mambo. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Royote le na tout esprit qui confesse c'est Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas et qui n'enseigne pas cela, cela est de l'antéchrist. Amen.
Amen. Donc sauti ya Mungu inapaswa kuhubiriwa. C'est-à-dire la parole de Dieu doit être prêchée. Na ule beku na mhubiri sauti ya Mungu anapaswa kuyaamini. Et celui à qui on prêche la parole de Dieu, il doit la croire. Hii sauti ya Mungu inahubiriwa. La parole qui est prêchée, ni mwana wa mtu ego nafunuliwa katikati yetu. C'est le fils de l'homme qui se révèle au milieu de nous. Wakati mwana wa mtu ego nafunuliwa katikati yetu. Lorsque le fils de l'homme se révèle au milieu de nous, ego nafunula aseme, il révèle que Yesu Christ ndio Mungu wa kweli na bujima amini. C'est Jésus et le vrai Dieu et la vie éternelle. Mungu yeye mwenyewe anje kujifunula. Dieu lui-même commence à se révéler. Kupitia mwana wake Yesu Christ. Au travers son fils Jésus-Christ. Juche tupate kumuyua. Afin que nous puissions le connaître. Ndio maandiko yanasema. Voilà pourquoi les écritures disent. Mwamini Mungu. Croyez en Dieu. Mniamini na mimi. Et croyez en moi. Amen. Hakuna ta mtu mwana anaweza kwenda kwa baba bila kupitia peko mi Yesu. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi, Jésus-Christ. Kama unaamini, si vous croyez, Mungu, Dieu, kupitia na mtu mwingine. Au travers un autre homme, unapotea. Là, t'es perdu. Je tunaamini Mungu. Nous croyons Dieu. Kupitia ufunulo ya Yesu Kristo. Au travers la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Njoo kwa maana yeye mwenyewe anasema. Hapo lui-même dit. Baba mimi nakusifu. Père, je te loue. Juu ulificha hii mambo kubeni akili. Je sais que tu as caché ces choses aux sages. Kuba akili ba mwi dunia. Aux sages et aux intelligents de ce monde. Unefunula kwa watoto wadogo. Et tu les as révélés aux petits enfants. Amen. Mulik. Luca. Luke 21. Luca 21. Non, nous sommes dans Luke chapitre 10. Luca sur Yakumi. Verset 21. Nous allons à Makumi Binamoj. Luke 10. Luca sur Yakumi. Nous lisons. Nous sommes. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Mwili wakati Yesu akaruka na furaha kupitia Roho Mtakatifu na akasema: Je te loue, Père. Nakusifu Baba. Seigneur du ciel et de la terre. Bwana wa mbingu na dunia. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Vile urificha hivi bintu kubenye hekima na benye akili. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Na vile uribifunula kwa watoto. Oui, Père. Ndio Baba. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Nakusifu nju uripenda bikuwe vile. Toutes choses m'ont été révélées par mon Père. Vyote bilinifunuliwa na baba zangu. Et personne ne connaît qui est le fils si ce n'est le père? Na hakuna mtu la anayua mwana kama ina kupitia baba. Ni qui est le père? Na nani baba si ce n'est le fils? Na kama ina kupitia mwana. Et celui à qui le fils veut le révéler. Na kwa ule mwana anapenda kumufunulia. Amen. Hakuna mtu anaweza kujua sema Mungu ni nini kama Yesu ashimufunulia. Il n'y a personne qui peut connaître le père si le fils ne le révèle pas. Napenda kumjua Mungu kumbinguni. Si vous voulez connaître qui est Dieu au ciel. Kama napenda kujua sema Mungu ni waje, Mungu mwenyewe ni nani? Si vous voulez connaître Dieu c'est qui est-ce qu'il est? Il faut Yesu mwenyewe akufunulie. Il faut que Jésus lui-même vous le révèle. Amen. 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 Sasa kama napenda kujua sema Yesu ni nani? Mais si vous voulez connaître qui est Jésus? Apa duni. Ici sur la terre. Il faut baba kumbinguni akufunulie. Il faut que le Père du ciel puisse vous le révéler. Ça venait de mufunulia Pierre. Comme il l'a révélé à Pierre. Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu 16. Amen. Amen. Ana mufunulia Pierre. Il l'a révélé cela à Pierre. Asemu Yesu Kristo. Il a dit c'est Jésus. Ni mwana wa Mungu. C'est lui le fils de Dieu. Aliye kwa na ai. Qui wewe una bujima amile. Ya la vie éternelle. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Anasema nini njoo yangu mimi mwana wa Mungu? Et vous, qui dites-vous que je suis moi? Anasema mie niko nani? Il a fallu que le Père révèle. Il dit baba funule le mama. Donc le Père révèle le fils. Nikusema baba iko namfunula mwana. Le fils aussi révèle le Père. Mwana na yeye iko namfunula baba. Sasa ni ufunulo kani ile Yesu Kristo alituonesha. Mais c'est quelle révélation que Jésus nous a montré? Ile namwangalia baba. Qui concerne le Père. Donc c'est lui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce qu'il a dit ou la rinyona anaona baba. Il dit à Philippe. Anamonesha Filipo. Je m'étonne. Niko na kushanga. Il y a si longtemps que je demeure avec vous. Mashiko ya mingi mimi nikala na mwe hapo. Jusqu'ici vous n'êtes pas parvenu à me reconnaître. Na leo hii amufike mu niveau ya kunitambua. Mais c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Ule arinyona, shanaona baba.
Philippe lui avait dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il lui dit, mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Voilà ce que le Fils a révélé. Il n'y a pas une autre révélation. Amen. Amen. Il n'a pas tant à naufunulo ya banabi. Cela se concorde avec la révélation des prophètes. Esaïe a dit quoi dans ses mains? Esaïe disait: Oh Mungu, anetupatia mutoto mwana huu. Oh Dieu nous a donné un fils. Mutaone bikira mu atachukua mimba. Une vierge concevra. Atazala mutoto. Elle enfantera. Ule mutoto ataitwa Emmanuel. Cet enfant sera appelé Emmanuel. Emmanuel ni kusema Mungu pamoja na watu. Qui veut dire Dieu est parmi nous, parmi les hommes. Amen. Amen. Donc, au cove. C'est-à-dire les saluts. Ina la mata kuile jina la Bwana Yesu. Est attaché au nom de Jésus-Christ. Hii ni ufunulo ya mkubwa. C'est une grande révélation. Ile mtu anapasha kupata mwokovu yake. Que l'homme doit expérimenter dans son salut. Amen. Amen. En Timothée. Timothée wa kwanza. Chapitre 3. Musta sura ya 3. Verset 14. J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire les mystères de la piété grande. Celui qui a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Vie des anges. Prêché aux gentils. Crie dans le monde. Et élevé dans la gloire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible. Il y a les mystères de Dieu. Dieu avait promis de révéler ces mystères. Biblie. Dans la Bible. Nikitabu ya masiri ya Mungu. La Bible, c'est le livre des mystères de Dieu. Sasa kuko siri moya Mungu. Mais il n'y a qu'un seul mystère. Ju Mungu ni siri. Car Dieu aussi est un mystère. Siri ya bu Mungu. Le mystère de la divinité. Siri abu Mungu ya Mungu. Le mystère de la divinité de Dieu. Amen. 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 Ni siri. C'est un mystère aussi. Bu Mungu ya Mungu wetu. La divinité de notre Dieu. Ni siri mkubwa. C'est un grand mystère. Amen. Amen. Ile siri ile. Ce mystère là. Bible inaita sema ni siri moya. La Bible l'appelle un seul mystère. Mu Bible mungu ma siri. Dans la Bible il y a beaucoup de mystères. Mungu na siri moya. Mais il y a aussi le mystère. Ni bintu mbili ya kocha. C'est deux choses différentes. I ma siri yote hii. Tous ces mystères. Mungu alilaka kuifunula. Dieu a promis de les révéler. Kupitia. Au travers. Mujumbe wa wakati ya mwisho. Par le messager du temps de la fin. Bible nasema wakati ya takui. La Bible dit au jour du messager viendra, tous les mystères bibliques seront révélés à l'église. Mais il n'y a qu'un seul mystère. Ce mystère là, celui qui l'avait révélé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le mystère de la divinité de Dieu. C'est Jésus qui est venu révéler cela. Afin que les gens sachent qui est le vrai Dieu. Et lorsqu'il a révélé cela, il a dit le vrai Dieu, c'est moi que vous voyez. Amen. Amen. Dans toute la prédication du message du temps de la fin, le prophète a prêché un message qui dit Christ, Christo est la révélation ni ufunuo du mystère de Dieu. Ya siri ya Mungu. Amen. 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 Cette prédication est très importante. Jo siri ya utau. C'est ça le mystère de la piété. Ile Mungu anafunula muyake kanisa. Ce que Dieu révèle dans son église. Ya kuyua seme. De savoir que Mungu abia kweli na bushiba milele. Le vrai Dieu qui a la vie éternelle. Yesu Kristu yalionekana mumwili. C'est Jésus-Christ manifesté en chair. Kama wanakuhubiri ile mahubiri. Lorsqu'on te prêche ce genre de prédication. Amen.
Après Pentecôte. Après la Pentecôte. Biblia nasema tout à chemin mia pailo. Nous allons nous arrêter par là. Matthieu a mis tout. Actes des apôtres. Chapitre 2. Soyez pire. Verset 36. Osaïa, c'est la signe cita. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en un si grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est pourquoi le véritable baptême, c'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà l'unique nom qui nous a été donné, dans lequel il y a le salut, le pardon de nos péchés, dans lequel il y a la vie éternelle, dans lequel vous pouvez être enlevé. Amen. Amen. C'est pourquoi celui qui écoute la parole de Christ, qui croit à celui qui l'a envoyé, il a la vie éternelle. Il a échappé le jugement. Pourquoi? Puisqu'il doit faire l'expérience du passage de la mort à la vie. C'est pour les salis de la Bible. C'est une expérience du passage de la mort à la vie. Amen. Amen. Il y a une expérience que vous devez faire. Vous devez quitter à la mort et passer à la vie. Si vous ne passez pas de la mort à la vie, donc là vous n'êtes pas sauvé. L'homme ancien doit mourir en vous. Et l'homme nouveau doit naître. C'est alors que votre foi fera l'expérience. C'est ce qu'on appelle la véritable expérience de la foi. Votre foi, si elle est réelle, cela vous amènera de la mort vers la vie. Que Dieu vous bénisse. Après l'écoute de chaque prédication, nous souhaitons toujours à chacun des bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Le salut, c'est une réalité. Quand quelqu'un est malade, mais on verra que réellement il est malade. Nous, nous voyons l'aspect des non-malades. Mais le malade lui-même sent la maladie en lui. C'est la même chose avec les salis. Quand tu es sauvé, okoka, nous verrons l'aspect d'un homme sauvé. Mais le sauvé lui-même, lui sentira les salis en lui. Et on nous dit que c'est une expérience que nous devons vivre. Quand quelqu'un était malade,
et il trouve la guérison. Et il sentira que je suis guéri. Passer de la mort à la vie. La mort, c'est quoi? C'est la vie du péché. C'est la vie sans Christ. C'est la vie sans Dieu. Et quand vous croyez et que vous avez la vie éternelle, donc vous avez quitté de l'état pécheresse à la vie de la sainteté. Et vous devez sentir aussi ça. Que réellement j'étais mort. Et aujourd'hui je suis vivant. Chacun doit expérimenter ça. On nous parle des mystères. Le grand mystère. Et dans la Bible, comme on vient de le dire, il y a plusieurs mystères. Le baptême au nom de Jésus. C'est un mystère. Amen. Amen. C'est un mystère. Nous, en tant que nation, sauvés après les rejets d'Israël, et nous avons pris la place d'Israël comme olivier sauvage. C'est un mystère. Pour comprendre ça, il y en a beaucoup, mais il y a un grand mystère. C'est celui, le mystère de la piété. Connaître qui est Dieu. Et ce mystère, à côté de lui, il y a encore un grand mystère. Le mystère de l'iniquité. Connaître qui est Satan. C'est un mystère. Les églises parlent de Satan. Mais il ne le connaît pas. Mais vous, vous avez la grâce de connaître qui est Satan. Si nous connaissons qui est Dieu, nous connaîtrons aussi qui est Satan. Et nous marcherons d'une manière correcte. C'est une grande prédication. Qui a compris? Ah, que Dieu bénisse. Jésus disait toujours, écoutez et comprenez. Et celui qui comprend, il mettra ces choses en pratique. Remercions le Seigneur pour ça. Mettons-nous tous debout. Nous prions en remerciant le Seigneur, en demandant aussi qu'il nous fasse grâce, pour que chacun de nous expérimente les salis en lui. Il a moja aonje ukovu ndani yake. Kweli Bwana Yesu. Kweli Bwana Yesu. Kweli Bwana Yesu ndiye mkuu. Oh kweli Bwana Yesu. Kweli Bwana Yesu ndiye mkuu. Muda muya Yesu. Muda muya Yesu. Muda muya Yesu. Muna Takiri na kinywa yake. Celui qui va confesser par sa bouche. Na kuamini muro yake. Et croire dans son cœur. Ataokolewa. Il sera sauvé. Tombe mungu. Prions Dieu.
Père Céleste, nous sommes dans la joie après avoir écouté ta parole. La parole qui est digne d'être écoutée. Les paroles de grâce dans lesquelles il y a le salut pour les âmes. Si nous pouvons aussi nous crier comme Esaïe ce jour-là, il a dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? C'était une grande interrogation. Qui peut croire que le Dieu infini, que le Dieu tout-puissant, que le Dieu éternel pouvait descendre sur cette terre, prendre un corps humain, marcher sur cette terre, parler aux hommes, pour leur accorder la vie éternelle. Qui pouvait croire ça? Grâce soit rendue à Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui ont crié à cette annonce. Cette annonce qui disait, une vierge concevra. Qui pouvait croire ça? Oh Seigneur, merci pour la foi que tu nous accordais de croire les choses que les autres doutent. Les églises sont embrouillées. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu qui était Père et qui est devenu Fils pour notre salut et qui aujourd'hui est sous forme du Saint-Esprit pour conduire son Église. Qui peut croire ça? Il n'y a que tes élus. Merci Seigneur. Asante, Baba. Accorde-nous la foi. Coupe imani. Si y a ceux qui ne comprennent pas, c'est toi celle qui donne la révélation. Comme tu l'avais accordé à Pierre, accorde-les encore une fois à tes enfants ce soir. Parce que c'est là où réside le salut. Merci Seigneur. Asante, Bwana. Pour ces paroles. Kwa maneno haya. Bénis la foi. Bariki imani. De chacun de nous. Ya kila mmoja wetu. Bénis l'âme. Bariki nafsi. Dans laquelle est tombée cette parole. Ule munanguka hii neno. Que nous puissions l'expérimenter. Tupate kuionja. Afin que nous puissions marcher. Kusudi tutembeye. Avec assurance. Na tumaini. Pour dire ouvertement. Ili tuseme wazi wazi. Si nous mourons. Tukifa. Nous ressusciterons. Tutafufukaka. Si Jésus revient. Yesu kiudia. Nous partirons avec lui. Tutaenda naye pamoja. Seigneur. Bwana. Aide-nous. Tusaidie. Bénis ton serviteur. Bariki mtumishi wako. Que tu as utilisé. Ambaye ulitumikisha. Avec tout amour. Na mapendo yote. Pour essayer de mettre ces choses à nous. Juu ya kupima kuweka hivi vitu wazi. Bénis toute l'église. Accompagne-nous à sortir. Au nom du Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est la journée de prière. Ne venez pas en retard. La prière commence à 10h juste. Venons expérimenter ce que nous venons d'écouter. La prière, c'est là. Et sera centré sur ce que nous venons d'entendre. Et nous allons prier avec effervescence. Pour que Dieu nous aide. Les dernières consignes sont données. On est prêt à décoller. Si vous négligez la prière, donc vous négligez de serrer la ceinture. Souvent, quand il y a l'accident dans le véhicule, c'est ceux qui négligent d'attacher les ceintures qui ont beaucoup de mal. Le fracture, le poids. Parce que quand le véhicule tombe, ça balote du côté gauche, du côté droit. Parfois, ça peut faire même un tonneau. Mais si tu as une ceinture attachée, même si le véhicule fait le tonneau, tu es toujours attaché dans votre siège. Mais les autres là, ils seront balottés comme des tonneaux. Et si vous fuyez la prière, ça veut dire que vous n'attachez pas votre ceinture. Venons attacher nos ceintures. Demain matin, jusqu'à 15h.
en train de prier. Priez comme vous n'avez jamais prié. Quand vous priez, vous foncez dans la prière. Vous allez sentir que vous commencerez à vous perdre. Vous vous oubliez. C'est là où l'esprit prend les relais. Là, ce ne sera pas toi qui prie. C'est l'esprit qui prie en toi. On doit entrer dans cette atmosphère. Frère Franck dit, dans cette même prédication, dans les questions-réponses, on lui dit, on lui a posé les questions sur le sali. Il a dit, le sali c'est une autre chose. Les fruits de l'esprit, c'est une autre chose. Les fruits de l'esprit ne sont produits que par l'esprit dans quelqu'un. Donc, quand vous êtes sauvé, lorsque vous faites l'expérience du salut, l'Esprit de Dieu viendra. Et là, vous allez produire les fruits de l'Esprit qui sont différents du salut, mais qui accompagne le salut. On doit faire l'expérience de ça. Et vous attendez jusqu'à quand? Ça doit être une préoccupation. Ça doit être une faim en toi. Et une soif en toi. Et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix. Alléluia, 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 Alléluia,